Je sais que Dieu existe. Parce qu'au Rwanda, je serrai la main du diable. Nous sommes ici pour aider le Rwanda à trouver la paix et la sécurité. Bonjour, Monsieur le Président. Je viendrai à l'heure. Pour stabiliser la situation. Je veux la paix pour mon pays. Vous allez nous aider à l'obtenir. Peu ce que veut, Monsieur le Président. Qu'est-ce que c'est? Un écrasement à l'aéroport. L'avion du président. Il y a quelque chose de terrible qui s'annonce. Une fois déclenché, personne ne pourra y mettre fin. Un pays déchiré par la haine. Nous avons des réfugiés dans toutes nos bases. Il va y avoir un massacre d'innocents. Une extermination, général. Nous n'abandonnerons pas le Rwanda. Une vie consacrée à la paix. C'est la vie de milliers d'innocents qui est en jeu. Le FPR a arrêté une délégation gouvernementale et la garde en otage. Personne ne sera pris en otage. Les ordres, c'est moi qui les donne ici. Une mission. On vient pas faire la paix, on vient calmer le jeu. Voué à l'échec. Le bilan des morts s'élèverait à 500 000. Nous ne pouvons utiliser la force qu'en cas de légitime défense. Déposez vos armes. Qu'est-ce que vous croyez apporter de bon ici? Rien du tout. Nous voulons votre plan d'évacuation. 30 000 personnes ont survécu ici sous notre protection. Ne m'en donnez pas de retirer mes armes, monsieur. C'est un ordre auquel je n'obéirai pas. Des milliers de vies ne tiennent qu'à un fil. J'essaie de sauver mon pays. Mais c'est quoi ça? Ces montagnes? Ces arbres? Personne ne viendra vous tirer de là. On reste ici de toute façon. On va rester pour protéger les innocents et témoigner de ce que le reste du monde préfère ne pas voir.